Bon, alors, il nous demande d'aller chercher des experts. Donc, on a lui, elle, elle, et ces deux-là. J'ai pris une décision d'homme responsable. Je me suis installé dans une forteresse remplie d'explosifs. Non, repose ça, petit gars, repose ça, je te dis. C'est très dangereux. Fais gaffe, je sais que t'es mignon avec et tout, mais c'est dangereux. C'est lui le danger, ouais. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Nidrai. Je suis retenu prisonnier près de l'ancienne station d'épuration. J'ai planqué un véhicule pour m'enfuir, faudrait juste... Merde, ils arrivent. Je vous en prie, aidez-moi. Elle? Ici Grace Armstrong. Les ravageurs ont volé mon prototype d'arme. Et maintenant je suis encerclée. On doit pas les laisser faire. J'ai besoin d'aide. Quelqu'un m'entend? Un prototype d'arme, c'est intéressant. C'est quoi ça? Mine du poumon noir. J'aimerais bien sauver Grace. Allez, on va aller sauver Grace. Bonjour. Un type que je connais a disparu dans le coin. Il était obsédé par l'idée de vivre dans une grotte près de la rivière. Je pense qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Mais ses affaires sont sans doute encore là. Si tu les retrouves, elles sont à toi. Ok. Allez, on y va. Alors, 1840 mètres. Ah si. Je croyais qu'il me suivait pas. Allez. On va peut-être le laisser tranquille. Hein. Il a l'air costaud. Quelqu'un a repris le gars qu'on avait chopé dans le train. Merde, on avait de grands projets pour lui. C'est sûrement un coup des gros nazes de Prosperity. Alors vous savez quoi? Prosperity va payer. Ah bah du squash gratos, ok. Bord des nouilles d'avoir survécu à ce... Avec les gens d'ici, on se débrouille comme on peut. On s'attendait tous plus ou moins à une catastrophe, alors ça aide. Bonjour. Largage de ravitaillement. Ça fait longtemps que j'ai plus une nouvelle du pasteur Jérôme. Il prend des risques pour sauver les gens. Et son ami Ramon a lancé un appel de détresse. On a besoin de lui. Et toi aussi, d'ailleurs. Ok. Il est où le pasteur Jérôme? Il est pas loin, hein?
en Valérienne. Et après, on ira voir Grace. Ça fait plaisir de voir un chien. Ah, celui-là, il est pour nous. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Plus c'est long à piller. Allez, 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 allez. Oui. Vlan. Hop. Oh. Voilà. Mais arrête de rouler. Les ravageurs conduisent des camions remplis d'éthanol partout dans la région pour ravitailler leurs avant-postes et leurs garages. Vous pouvez les faire sauter pour les priver de leurs ressources, ou mieux encore, leur voler ces camions pour les rapporter à Prosperity, ou dans un avant-poste libéré. Qui c'est qui me voit ? Voilà. Allez, on continue. Ça, c'est le truc d'aviation. Il n'y a pas l'air d'y avoir des gens. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir.
Bah, c'est pas vrai. Ce ricochet. Voilà. Bon, c'est par où? C'est par là. J'aime pas quand ça grince. Attendez. Un petit coup d'enregistrement, voilà. C'est moi. Il faut que je sorte d'ici. Qui c'est qui me parle là? Oula, c'est quoi ça? Coussez, coussez, j'ai dit. Thank you.
Mon ami Jérôme a besoin d'aide. Merci de m'avoir tiré de ce merdier. Le pasteur Jérôme et moi, ça fait un moment qu'on attaque des convois pour libérer des prisonniers. Mais cette fois, tout est parti en couille. On a arrêté un camion, mais on s'est fait surprendre par des ravageurs. Ils ont emmené Jérôme. C'est tout juste si j'ai réussi à m'enfuir. Dieu seul sait où ils ont emmené Jérôme. Vous trouverez peut-être un indice dans le camion. Il est tout près d'ici. J'espère que tu vas bien après ce qui s'est passé. Capitaine, les ravageurs enlèvent des gens à nous pour les emmener dans leur usine de munitions. Essayez d'arrêter les fourgons de prisonniers que vous croiserez pour libérer ces otages. On a besoin d'un maximum de bras. En avant, nous devons aux chasseurs.
Ils doivent pas s'échapper! J'ai bien cru que j'allais y passer. Mon ami, il s'est pas terminé. Je ne suis pas le seul prisonnier. C'est pas passé loin. Mon ami, c'est pas terminé. J'ai bien cru que j'allais y passer. Je ne suis pas le seul prisonnier. Mon nom est Jérôme. Merci pour le coup de main. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Ils voulaient m'emmener dans l'ancienne maison des rails pour me torturer. Ils ont des prisonniers là-bas. J'aurais besoin de ton aide pour sauver ces gens. Grâce à toi, je vais pas arriver aujourd'hui. J'aimerais vraiment cette journée. Merci.
sauver. Tu m'as rendu foi en l'humanité. Ah, nous te sommes retenus. Laisse-moi me présenter comme il faut. Jérôme Jeffries. Mais les gens du coin m'appellent Pasteur Jérôme. Merci pour ce que tu viens de faire. Tu as un don pour aider ton prochain. D'habitude, c'est plutôt mon rôle. Mickey et Lou ne s'arrêteront qu'une fois Hope County entièrement pillé. Ça leur est bien égal de détruire nos vies dans l'opération. Nous avons besoin de gens pour leur résister. Je suis prêt à suivre quelqu'un comme toi. Si jamais tu cherches un allié, compte sur moi.
tête de con. Ça aurait été une mort de merde. Je crois que c'est juste.
seulement Marie-Mère pouvait voir ça. Les ravageurs réparent leur bagnole dans ce qui reste de Fall's End. Ça nous permettrait d'avoir un pied dans la région, et Prosperity aurait bien besoin d'éthanol. Thank you.
j'en peux plus de ces crétins. Vous leur avez bien montré. Ils arrêteront jamais de me faire chier. J'en peux plus de ces crétins. C'est vous l'étrangère ? J'ai cru comprendre que les ravageurs vous aimaient pas trop. Bien. Il était temps que la jeunesse s'implique dans le combat. Moi, c'est Grace. Et si ma vue était pas partie en couille, je me battrais à vos côtés. J'ai peut-être pas autant la forme qu'avant. Mais je sais encore me servir de mes deux mains. Quand j'ai compris que je pourrais plus jamais viser et tirer comme avant, j'ai fabriqué une arme pour contourner le problème. Je me suis inspirée d'une idée à vous, d'ailleurs. En y rajoutant quelques modifications. Si j'étais pas si modeste, je dirais que c'est la meilleure arme de tout Hope County. Le seul problème, c'est que les ravageurs me l'ont volée pour l'emporter à la vieille gare de triage. C'est là qu'ils planquent le matériel qui pique aux gens du coin. Ce sera pas facile, mais croyez-moi, ça vaut le coup de risquer sa peau pour ça. Allez chercher l'arme, reprenez ce qu'ils ont volé, et abattez les débiles qui essaieront de vous arrêter. On vient de m'apprendre un truc super. Les ravageurs ont des camions remplis de ressources et de matériaux de fabrication. Essayez de leur voler ça. Ce serait vraiment génial. Il y a pas mal d'histoires qui circulent. Il paraît que Nadine s'était enfermée dans un dépotoir et avait un peu perdu la tête. Elle y planquait des BD. Peut-être qu'il y a d'autres trucs intéressants. Elle, en tout cas, elle n'est plus là. Oh!
Ah, bien compliqué les choses dans la vallée. J'espère que maintenant plus. J'ai espionné le garage où les ravageurs peignent leurs voitures. On dirait que leur artiste a l'œil pour repérer le bon matériel. Ça te dirait pas d'aller les piquer? Thank you.
Jetez un coup d'œil dans les wagons. C'est là que les ravageurs planquent tout le matériel qu'ils nous volent. Et c'est là que vous trouverez mon arme.
I'm sorry.
Vous avez fait du beau travail. Beau travail. Vous avez filé une sacrée branlée aux ravageurs. Gardez l'arme. Comme je vous disais, j'y vois plus aussi bien qu'avant. Elle vous servira bien plus qu'à moi. Et le matériel que vous avez repris, ça appartenait aux gens d'ici. Investissez-le dans la communauté. Les habitants de Prosperity sauront quoi faire de tout ce que vous voudrez bien leur donner. Moi y compris. Vous avez bien entendu. Je rentre à Prosperity pour de bon. Si vos amis ou vous avez besoin d'entraînement, passez me voir. Prenez soin de vous. Venir vous reprendre encore des trucs. Sauf que cette fois,